Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Stray. On s'était arrêté ici, juste à côté de ce musicien d'ailleurs. Et on va continuer l'aventure. Alors je crois qu'il nous reste... voilà, la tête dans le sac, ouais, bravo. je crois qu'il nous reste un... Comment on appelle ça? Un carnet. Un carnet à trouver. Et après on pourra aller directement voir notre cher Momo. Pour essayer de lui fournir ça. Donc pour l'instant, on va explorer un petit peu la zone et on va voir ce qu'on peut découvrir des choses, enfin si on peut découvrir des choses supplémentaires.
Miaulé. Ah! Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, ça nous ouvre une petite porte. Ok. Je sais pas si. Je crois que ça doit être un pot de peinture ou un truc comme ça. Mince. Eh oui, mince. Bon, bah, on va aller voir directement ce qu'il y a dans. Ce qu'il y a dans la porte qui s'est ouverte, justement. Rien. J'adore quand ça miaule. Rien. Comment on descend? Ah, c'est bon. Non, non, descend, descend. Descend. Et. Descend. Descend. Voilà, petit toutou. Ok, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des petites choses intéressantes, hein, qui sait. Ah! D'accord. Je sais pas à quoi ça va me servir, ça, pour l'instant. Ok. Bon, en fait, je pense qu'il n'y a que ça, en fait. Hein. Il n'y a rien d'autre à fouiller? Je pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, bah, on va se barrer, hein. Je pense pas, il n'y a pas de petit toit ou un truc comme ça. Non, rien de plus. Bon, bah, on va se barrer. Arrête de jouer, d'accord. C'est bizarre que je suis rentré juste pour ça, quoi. Mais bon, continuons d'explorer, on verra bien plus tard.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à fouiller? Ah! Un code! 1283. Ah bah voilà le code qui était dans le code à côté du mec là. Le. Comment il s'appelle là, le musicien là? Merde, maintenant il faut que je retrouve où ce qu'il était ce con. 1283. Peut-être on va trouver quelque chose à l'intérieur, je sais pas. Où est-ce qu'il est? Il était où le musicien déjà là? Je me rappelle même plus. Non, pas par là, pas par là, pas par là. Il était où le musicien déjà? Non. Ça y est, je panique, je sais plus où il est. Ah, c'est de l'autre côté, je crois. Soit là, oh bah là, c'est là. Alors, le code 1283. Hein. J'espère que c'est ça. Allez. 1283. Et voilà. Ah, c'est une partition, c'est tout. Bon, je pensais que c'était quelque chose de plus intéressant, mais bon, c'est pas grave. Bon, ok.
Non. La dernière zone, je crois que c'était l'espèce de bibliothèque. Hein. On n'avait pas trouvé l'autre fois quand je suis allé. Donc je pense que le dernier bouquin, le dernier carnet, il est là-dedans. Ça peut être que là-dedans, hein. Je vois pas d'autre issue. Donc on va aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il y a un truc. La dernière fois, si je m'en souviens bien, le mec qui était caché là à l'intérieur, il nous a donné des clés. Je crois qu'il nous avait donné des clés pour ouvrir quelque chose. Ah, peut-être par là. Non, je sais pas. Ah! Ah bah voilà! Le coffre! Et bah voilà, je pense que ça. Voilà, les clés. Eh ben oui! Et là, il y a le carnet. Voilà le dernier carnet. Très bien. Enfin, le dernier carnet, bah oui. On dirait que celui-ci appartient à Doc. Après des semaines de recherche. Apparaît en l'adorant repousser les heures sans sortant. Très bien. La première interne explosive, je peux peut-être le tester dans des conditions réelles. Oh, il y a aussi une note sur le livre. C'est écrit, j'ai trouvé un défaut de conception sur la radio, très bien. D'accord. Avec ça, on avait le pouvoir. C'est là où permet des concepteurs. Il pourrait. D'accord. Montre-nous ce que nous avons. D'accord. Ok, on va retourner directement voir Momo et lui présenter l'objet qu'on a trouvé et plus le carnet. Ça va nous permettre aussi de réparer cette future radio, d'ailleurs. Allez, de toute façon, moi, c'est juste à côté, là, c'est pas loin. Allez, on descend par là. Allez, hop. Hop, hop. On va monter juste ici. Hop là. N'attends pas. Hop. Voilà. Et voilà. On va monter par la tête. C'est bon, j'ai tous les objets, Momo. Oui, j'ai tous les garnis. Alors, le carnet, partition de nanana, il est où? Là, voilà. Ça appartient, il était fort avec Soleil, que tous ces trucs-là, toujours au sort comme ça. J'ai vraiment trouvé mes actions? Ouais, merci. Ok. Ok. D'accord. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Ok. Let's go!
Ok, on arrive sur les toits. Il nous a demandé d'aller vers ce bâtiment qui est éclairé en blanc là-bas de l'autre côté. Donc, ah oui. Allez, venez là, les bestioles. Venez, 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 venez. Allez, venez, venez, venez. Et hop là, au revoir. Ok. Hop. 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 Et hop là. Très bien. Et... Oh là, il y en a plein, il y en a plein. Venez, venez, venez. Voilà, nickel. Vous pouvez pas sauter par là. Hein. Hop. 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 Parfait. Je sais comment les éviter maintenant, c'est cette tête bestiole. Alors. Ok. Et ok. Très bien. Un petit souvenir. Ok. Hop. Ah oui, d'accord, ça... Ouais, d'accord, c'est pour faire bouger le truc, d'accord, j'ai compris. Hop. Là, il n'y a pas d'issue, hein. Là, c'est bien ce qui me semblait. Allez, comme ça. Comme ça, ça attire le truc vers là-bas. Voilà. Hop. Jusque-là, ça passe. Là, je pense qu'il faudra rentrer. Non, 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 descend, descend, descend. Faut aller là-bas, hein, par cette plateforme, il me semble. Hein. Parce que je vois pas d'autre issue dans ce coin-là. Alors, on va rentrer dedans. Voilà. Voilà. Parfait. On monte là-dessus. On monte là-dessus. Ensuite, on va par là. Hop. Hop. Ensuite. Par ici. Ok. Et ensuite là. Waouh, waouh. D'accord. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, il y a encore des bestioles qui arrivent. Ah! Bloqué! Je vous ai eu. Mais le problème, c'est que je pense que je dois aller de ce côté-là. Ah oui, le tonneau. D'accord, le tonneau, ça doit m'amener jusqu'à là-bas pour monter au-dessus de la plateforme. Ok, je vois le délire. Mais le problème, c'est que si je vais par là, bah oui, ils arrivent par là. Eh. Donc, il faut que j'active par ici. Moi, je saute par là. Eux, ils vont sortir forcément par là. Enfin, non, du coup, voilà. Et moi, je passe tranquillou. Pépère. Ha, 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 vous êtes bloqué. Voilà. Oh, calme. Et moi, je continue mon bout de chemin. Hop, hop. Hop là, et hop là, hop là. Il n'y a rien par là. Ok. Allez, continuons. D'accord. Là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On poursuit de l'autre côté. Et là, je pense que ça va être la grosse merde. Hop. Hop. On va monter par là. Ok. On va bouger ça. Ça va nous permettre d'aller de l'autre côté. Et de passer par le petit trou. Ok. Je vérifie ici hein, qu'il n'y a pas de bestiole à chaque fois, mais bon. On sait jamais.
Pour l'instant, ça va, on avance bien. Pas trop de difficultés, pour l'instant, j'aime bien. Mais là, de l'autre côté, il y a des bestioles. On va passer par là. Ok. Oh là là, il y en a pas mal. Oh là là, qu'il y en a beaucoup. Là, il faut la jouer un petit peu... on va dire stratégique. Hein. D'ailleurs, il faut savoir où est-ce que je dois aller. Allez, hop. C'est par là. Voilà. Boum. Hop. Ok. Voilà, maintenant, deuxième partie. Ok, il faut que je monte sur la petite plateforme qui est là-bas. Comment on va faire? Venez par là, venez par là. Allez, non. Allez, monte. Vite, hop. Hop. Et hop là. Hop là. Allez, nickel. Très bien. Et maintenant? Faut que je passe de l'autre côté, si j'ai bien compris. Ah oui, la plateforme, ouais, d'accord. Ça y est, je vois. Là, il y a le tonneau, il faut attirer le tonneau vers la plateforme. D'accord, c'est le système de ce qu'on a eu tout à l'heure en bas, là. Il faut pirater ça. Comme ça, ça va aller à les alerter par là. Donc, pendant ce temps-là, je vais de l'autre côté. Hop, hop. Hop. Non, j'ai oublié de fermer la porte, Ferme la porte. Ah. Ah merde, il y en a quelques-uns qui sont montés. Qui sont arrivés à passer. Oh bordel. Monte. Hop là, ouf. Ok. Et comment je vais faire maintenant? Ok, là c'est bon. Ah, on peut même les écraser. Ah putain, si je savais ça, je les aurais écrasés depuis belle lurette. Allez hop. Montez par là. Hop. Hop. Ok, oula, il y en a encore plein qui arrivent. Et venez là. Coucou. Eh ben non, moi je vais de l'autre côté. Par là. Tac. 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 On monte par là. On monte par là. On monte. Très bien. On va descendre. Ok. Jusque là, ça va. Pour l'instant, on avance bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ah, c'est l'ascenseur. D'accord. Ok. Ok. Là, à mon avis, il faudra... c'est de la course-poursuite, là. En gros, il faut que j'esquive ces bestioles, que je m'éloigne le plus possible tant que l'ascenseur descende. En gros, c'est ça le bordel. Ah putain, mais ça rentre vite cette merde. Ouais. Ah, mais ça saute, hein. Wouah. Allez, l'ascenseur. Gna. Au revoir, je fais un autre tour. L'ascenseur est là, c'est bon. Allez, venez. Allez, monte. Hop. Et hop, voilà, nickel. Et on appuie l'ascenseur.
Ah, vous pouvez plus maintenant. Vous montez pas plus haut. Nickel. Ouf. Parfait. Ok. Alors, on dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui viennent de l'étoile martique qui scellent la ville. Mais ils ont construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur est dévasté, totalement invivable et dangereux. Ok. Ok, mais si. C'est là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains reviennent. Je suis certain que c'est en raison d'exister, je dois ouvrir la ville. D'accord. Allez, retournons voir Momo. Maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Ok. Allez hop. Bim. On retourne voir Momo. Ok, allez, on descend et on va directement vers le bar. Je pense qu'il est pas très loin, il est juste en bas. Ah bah voilà, il est juste là. On descend par là. On descend par là. Et on descend par là. Viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Très bien. Allez, go. Ok. Voyons voir ce qu'il y a à dire.
Peut-être le code, c'est en rapport avec les pendules, là, les horloges. Parce que là, il y a marqué 2 heures, 5 heures, 1 heure et 1 heure. Donc, c'est-à-dire. Donc, 2 heures, donc 2, 5, 1, 1. Je pense que ça doit être ça. Alors, 2, 5. Ah non! Ah! Je me suis trompé. Là, comment on revient en arrière? Non, non, c'est pas. Ah bah voilà. Nickel. Voilà la petite pièce secrète. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Come on.
Thank you.
Bon. Allez, on va retourner voir notre cher ami Seamus. Je crois qu'il s'appelle Seamus, hein. Je n'ai même pas fait gaffe. Et après, on s'arrêtera là. On va lui montrer. Ouais, Seamus. Ou Seamus. Seamus, ouais. Bon, bref, vous avez compris. On va lui fournir le truc qui était réparé. Normalement, on peut continuer. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter à là pour cette partie de Stray. On arrive à un nouveau chapitre d'ailleurs, le cul-de-sac. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouvera très prochainement. À la prochaine. Ciao, bye bye.